Chers amis, vous qui êtes du côté de la force, vous qui vous battez depuis toujours contre les forces de l'Empire, je vous appelle, amis confinés, à résister au confinement et principalement à lire. Car si vos corps sont confinés, pour certains, cela fait longtemps que leurs esprits le sont aussi. Quelle meilleure façon de briser ses chaînes, de sortir de sa prison mentale, que de lire, en fait. Hein? On change de temporalité, on se réconcilie avec la longueur. Je pense que c'est une bonne idée, en fait. Voilà, alors, on peut être un maître Jedi de la lecture, mais on peut être aussi un jeune padawan. C'est pas grave. Voilà. Alors, ce soir, nous allons continuer de lire Vie et mort de la jeune fille blonde de Philippe Janeda. Et j'espère que cette introduction sonore vous aura plu. J'ai fait un effort quand même, faut pas déconner. J'ai fait un super effort, je trouve. J'espère que ces leçons vont bien passer. Mince, il en reste un petit peu. Ah oui, c'est la fin, c'est triste, c'est... Vous savez, c'est quand on voit l'espace dans Star Wars, qu'on réalise qu'on est tout petit, mais dans Star Wars. Alors que le mec dans Star Wars, c'est des badass quand même. Vous vous rendez compte que même d'après la NASA, les intelligences artificielles sont certaines en fait, étant donné le nombre de galaxies. Donc, non seulement on est tout petit, mais même si on sort après, on sera toujours confiné sur cette planète en fait. Enfin, l'histoire de la conquête spatiale, c'est autre chose. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi la France n'a pas de projet d'aller marcher sur la Lune, d'aller sur Mars, puisqu'on a les moyens, on a Kourou, on a la technologie. Visiblement, il nous manque deux choses, la vision et les couilles. Depuis longtemps, quoi. Alors, on attaque le chapitre 11. Je suis désolé, hein, c'est un peu vaniteux, mais je suis assez content de mon intro, en fait. Bon, allez. Donc, petit récap. Donc, le mec est un quarantenaire paumé. Il apprend dans un dîner en ville que son hôte parle de sa fille. Et il réalise que 23 ans auparavant, cette fille-là, c'est celle qu'il a dépucelée dans un champ, en fait. Quand lui avait 16 ans et la fille avait 13 ans. Mais il apprend aussi que cette fille est devenue prostituée, droguée, ingérable. C'est le drame de la vie du type là qui parle. Et lui étant un peu à la, comme une flottant comme une méduse dans sa vie, ce qui arrive à tout le monde à certains moments, mais ce qui arrive à certaines personnes sur des décennies entières. Et nous ne sommes pas là pour les juger. Tout le monde, chacun fait ce qu'il peut en fait. Hein. Mais lui, d'un seul coup, se dit je vais la retrouver en fait. Enfin, il a la sensation que sa vie fait enfin sens. Et donc, il prend le TGV et il part pour Marseille pour retrouver, sans savoir exactement où elle est, cette femme qui maintenant a plus de 35 ans, est complètement taille des pipes, et voilà, séropositive, mais que lui a connue comme une magnifique jeune fille, certes déjà complètement barrée, puisque couchant un peu avec tout le monde, mais une fille de 13 ans, en fait, qui l'a émerveillée dans sa jeunesse, en fait. Donc, il prend le TGV et dans le chapitre précédent, il était dans le TGV et il s'imaginait la rencontre, il se demandait s'il avait raison ou pas d'y aller. Enfin, c'était intéressant. Donc là, on arrive à Marseille, en fait. En sortant de la gare de Marseille, je me suis rendu directement dans le quartier où habitait Céline. À première vue, ce n'était pas un endroit très agréable à vivre. Tout était pourri, moche et sale. Les gens paraissaient soit très fatigués, soit très énervés.
Même si, il y a 5 ans, j'avais été suffisamment précoce pour sillonner la ville seule, je me serais bien gardé de passer par ici. Tu cherches quelque chose, petit? J'ai tout ce que tu veux. Merci, chef, j'ai besoin de rien. Qu'est-ce que tu fous là, alors? Bah, just a walk. J'ai marché un moment pour trouver un 2 étoiles à peu près correct à 4 ou 5 rues de celle de Céline. J'ai pris une Heineken à la réception et je suis allé la boire dans ma chambre sur le couvre-lit marron. Et je suis allé la boire dans ma chambre sur le couvre-lit marron. Tout est dit. C'est incroyable, hein, la puissance des 2, 3 détails. Boum. Ça, c'est. Quand on regarde en fait comment on tient un chapiteau, en fait, c'est avec 10 clous, en fait, c'est. Et même, en fait, il suffit de trois points pour tendre n'importe quoi, en fait. Et voilà. Moi, je trouve ça très fort, cette histoire de Heineken et de couvre-lit marron. La vie est bizarre. On dira ce qu'on voudra. J'étais parti d'un champ sous le soleil de Carcans-Maubuisson, allongé près d'une petite blonde, et un battement de paupières plus tard, je me retrouvais avec une bière dans une chambre lugubre à Marseille, à quelques rues miteuses de la petite blonde aujourd'hui mourante. Le plus troublant, peut-être le plus désagréable, c'était qu'il ne semblait pas y avoir de chemin entre ces deux lieux, de progression entre ces deux états. Mais si j'étais là, c'est parce que j'avais rencontré Paul Mourat. La vie est bizarre, on ne le dira jamais assez, et emprunte des voies surprenantes. On a déjà dû le dire 2 ou 3 fois avant moi. Je ne serais pas dans cet hôtel marseillais si je n'avais pas accepté, 6 ans plus tôt, de suivre ma meilleure amie, Miette, à New York. J'avais envie d'y aller depuis longtemps, depuis, disons, mes 16 ans, et comme il y avait déjà passé 15 jours l'année précédente, elle se proposait de me servir de guide. Je ne me faisais aucune illusion à ce sujet. Miette est l'une des 5 ou 6 personnes les plus étourdies de la planète et sait se diriger dans une ville comme une sardine dans la jungle. Il y a quelques mois encore, à Nancy, cherchant son hôtel qui se trouvait 20 du, rue du 20e corps, elle a demandé à un passant de lui indiquer la rue du 20e pied. Ce qui m'a fait rire, ce n'est pas tant qu'elle ait associé corps à pied et se soit mélangé les pinceaux, mais surtout qu'elle ait pu imaginer sans tiquer qu'il existait une rue du 20e pied. Qui donne sur la place de la 33e oreille. Je pensais que c'était une bonne occasion de découvrir New York par moi-même, mais pas seul. Une nuit, dans l'hôtel plus que confortable que nous avions pu nous offrir à l'ouest de Central Park, sa mère lui payait le séjour pour ses 30 ans, et moi je venais de recevoir un gros chèque après 3 mois de travail, nous avions même eu les moyens de prendre 2 chambres. J'ai été réveillé en sursaut par des coups frappés contre la fenêtre. Je me suis assis dans le lit, comme si j'avais eu un ressort dans le dos. Et j'ai fixé le rideau, plus qu'interloqué, inquiet. Après quelques secondes, je me suis dit que ces coups faisaient sans doute partie d'un rêve, et je m'apprêtais à me recoucher, le corps moite, quand le bruit a recommencé. Ce n'était pas vraiment des coups, pas comme si quelqu'un frappait pour entrer, mais plutôt comme si cette personne, dont j'aurais tant aimé qu'elle ne soit pas là, secouait violemment la poignée de la fenêtre pour essayer de l'ouvrir. Cette personne ou cette bête, bien sûr. Nous étions au 8e étage. Dès que je sors de Paris, je ne suis pas à l'aise. J'arrive à vivre, évidemment. Mais je me sens moins sûr de moi, moins détendu, moins naturel, comme un habitué de la campagne quand il se trouve dans une grande ville. En province, je suis toujours plus ou moins contracté, sur mes gardes malgré moi. J'ai l'impression qu'on m'observe, qu'on se demande ce que je fais là. Et à l'étranger, je n'arrive carrément plus à marcher normalement, à demander ce que je veux dans les commerces sans avoir l'air d'un mauvais acteur extrêmement timide. Et même ma respiration me paraît forcée. Je ne recouvre mon calme qu'en atterrissant à Roissy et ne redeviens normal qu'en franchissant le périphérique. Alors, me trouver dans un hôtel de Manhattan en pleine nuit avec quelqu'un qui s'attaque à ma fenêtre, non, ce n'est pas mon truc. C'est vrai ce truc de. C'est très bizarre, hein, le temps qu'il faut pour redevenir parisien. Moi, je suis arrivé à Paris, enfin, je vivais pas à Paris. Je faisais une prépa c'était à Sceaux, en fait. Donc je suis vraiment arrivé à Paris, je pense, à 21. Enfin, j'ai commencé à vivre à Paris à 21. Et maintenant, j'ai vécu. C'est la ville, l'endroit dans lequel j'ai le plus vécu sur Terre. Et donc, je ne suis pas né parisien, mais je suis devenu parisien, comme le dirait la grande Simone. Et alors que longtemps, je n'étais pas ça. Et en même temps, quand je vais à Marseille, comme je suis marseillais d'origine, alors même que j'ai quitté cette ville assez tôt avec mes parents, je sens que je suis marseillais, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce livre me plaît, parce qu'il parle de Marseille. Mais fondamentalement, je suis marseillais. Donc les premières années comptent davantage, tout le monde le sait en fait. Mais on ne se rend pas compte à quel point en fait elles comptent davantage. Elles comptent vraiment davantage. Je pense que je pourrais vivre 200 ans à Paris, je serais toujours marseillais. J'ai enlevé mon accent, je mange très rarement des sardines.
mais je reste Marseillais. Et cette sensation aussi, mais par contre, c'est vrai que quand je suis à Marseille, c'est chez moi, mais j'ai pas envie d'y être. En fait, un rapport d'amour-haine, quoi. C'est une vraie poubelle, quoi. Enfin, ça dépend des endroits. Il y a des endroits très sympas, hein. Mais l'ensemble, c'est quand même une poubelle. On a l'impression d'être à Bogota. Paris, je me sens bien. Et quand je reviens de voyage, quand je suis allé longtemps ailleurs, et c'est vrai, aux États-Unis, c'est vrai, on a l'impression de rentrer chez soi. Et quand on revient des États-Unis, on a l'impression de rentrer dans un village. Je me rappelle, j'étais dans l'avion, et je revenais de New York, je crois, et j'ai vu Paris, et j'ai trouvé ça minuscule. Et je me suis dit, cette phrase bizarre, ah tiens, c'est comme si je rentrais dans mon village en Suisse. Pourquoi la Suisse? Je vais aller en Suisse, pourquoi? Pour aller à Bâle, c'est tout, en fait. Non, à Morges, au festival de Morges aussi, c'était magnifique. Enfin, c'est beau la Suisse, mais je suis pas suisse, en fait, je veux dire. Et j'ai eu cette idée de rentrer dans un village suisse. C'était un gros, gros village, quoi. Et c'est très agréable, en fait. Enfin, tout ce qui est décrit sur quand on se balade en province ou à l'étranger, que du coup, c'est vrai, en fait. Enfin, moi, je l'ai ressenti, quoi. Voilà, je sais pas vous. Alors, j'en étais affolé à regarder bêtement tout autour de moi dans la chambre, comme si j'espérais y trouver un policier caché dans un coin ou une arme de gros calibre oubliée par le précédent client, quand j'ai entendu la fenêtre céder. C'est un grand mot, car j'avais vraiment la trouille. Disons plutôt que j'ai entendu la fenêtre s'ouvrir. Il s'agissait d'une porte-fenêtre coulissante qui donnait sur un petit balcon, et je n'avais pas songé une seconde à la verrouiller. Seuls les plus méfiants d'entre nous étant capables de prévoir qu'un enragé du crime va escalader la façade jusqu'au 8e étage pour nous régler notre compte. Le vent qui s'engouffrait. Non, il faut que je raconte un truc, je suis désolé, hein, ce soir, c'est Star Wars, quoi, je me lâche. J'étais allé, avant, 15 jours avant la Biennale de Venise, une amie m'appelle et me dit, Marc, je peux pas aller à la Biennale, mais j'ai une exposition, c'est une catastrophe, parce qu'il y avait eu un accident. Est-ce que tu peux y aller et accrocher l'exposition à ma place? Il n'y a qu'à toi que je fais confiance. Je dis, super, écoute, d'accord, mais bon, ça va douiller quand même. Elle me dit, non, t'inquiète pas, je te paye l'aller-retour et l'hébergement, enfin, tout est payé, quoi. Je dis, bon, bah, super. Donc, j'y vais, me disant, bah, cool, quoi. En plus, j'avais les passes VIP et tout. Et puis, je débarque. Et en fait, elle avait loué un palazzo. C'est une amie qui a beaucoup, beaucoup de succès. Et je me retrouve dans un palazzo et on me file les clés, la propriétaire du palazzo, qui parlait un peu anglais, mais surtout italien, me file les clés. Elle me dit, en fait, il faut ouvrir les fenêtres, puis les fermer à cause des moustiques. Enfin, elle me raconte tout ce qu'il faut faire, etc. Bon, bref, elle repart. Et là, je me retrouve dans un truc qui était prévu, mais pour 10-12 personnes. Parce que, en fait, cette amie veut passer la biennale à Venise et organiser tous les soirs des repas, voilà, en fonction des vernissages, etc. Enfin bref, vous voyez, c'est top level, en fait. Et donc, il y avait des gens qui venaient dormir, il y avait des. Voilà, bah, évidemment, pas n'importe qui. Mais bon, là, moi, j'étais tout seul dans le palazzo, il n'y avait pas de dîner organisé et tout. Et en fait, le premier soir, j'ai flippé, en fait. Donc, j'ai fermé toutes les fenêtres, etc. Et j'ai flippé, j'avais une très belle chambre. Et j'arrivais pas à m'endormir, c'était trop grand, j'entendais des bruits, ça me stressait en fait. Et à un moment, j'ai cédé à l'économie de ma peur, je me suis dit, bon, je vais trouver le moyen de dormir, le seul moyen de dormir, c'est, je vais aller dans la cuisine, je me suis pris un couteau, mais un couteau, attention, le couteau 30 cm, je suis allé dans ma chambre, j'ai tout fermé, j'ai calé une porte derrière une chaise derrière la porte, mais vraiment, j'ai vérifié qu'on ne pouvait pas ouvrir dans la nuit pendant mon sommeil. Et j'ai placé le couteau à côté de moi dans le lit, de manière à ce que ne pas m'éventrer moi-même en roulant, en fait. Et je suis resté là-bas, je sais pas, une semaine, puisque de toute façon, non, je suis resté 12 jours, je crois. Et puis après, ils se sont arrangés avec la propriétaire pour flinguer la location du palazzo, parce qu'elle était pour un mois. Et j'ai dormi avec ce grand couteau et la chaise qui bloquait la porte. Dans un palazzo magnifique, mais un palazzo magnifique vide, c'est super flippant en fait. Voilà, donc ce qu'il raconte, je connais quoi, je connais. Hein?
Vous ne sentez pas vulnérable vous, quand vous vous endormez, on peut vous faire n'importe quoi en fait. Moi, quand je dors en fait. Donc, ça me stresse, cette absence. Bon, donc on continue. C'est une petite. C'était quand? C'était en 2011. C'était la Biennale de Venise de 2011. Ah, oh, mais c'était quand même un super souvenir. Le vent qui s'engouffrait dans la chambre gonflait les péridots bleus. C'était pour le moins terrifiant, même pour celui qui n'était pas plus couard qu'un autre, de ne pas savoir qui se trouvait derrière. De ne pas savoir qui, ça ne paraît pourtant pas possible, poussait maintenant, derrière ce rideau, des grognements rauques, de ceux que poussaient les hommes préhistoriques. Preuve que tout est relatif en fonction de l'espace et du temps. À l'époque de la préhistoire, ces grognements n'avaient rien d'anormal ni d'alarmant. Tout le monde s'exprimait ainsi. Mais de nos jours, ça jure de manière inquiétante avec le contexte. Tes mains agitaient nerveusement le tissu. Mon assassin cherchait l'endroit où se rejoignaient les deux pans du rideau afin d'accéder à moi. Le corps et l'esprit dans un étau, j'hésitais entre deux méthodes, bondir et frapper à l'aveugle, ou bien me cacher sous mon drap, peut-être que si je m'aplatissais au maximum. J'étais toujours assis dans le lit quand le rideau bleu s'est ouvert. Et comme je le prévoyais, un jeune homme à moitié nu est entré dans ma chambre. Il était grand et costaud, il ne portait qu'un slip rouge, me regardait fixement, l'œil vide, et m'a dit d'une voix sourde, Meuh! Vous voyez, ça c'est fort, on ne s'y attend pas, quoi. On s'attend à sa copine Miette, ou on s'attend à n'importe quoi sauf ça. Il est fort stitige dans le ménagement comme ça de rebondissement. Il est fort en rebondissement en fait, hein, entre autres. Si on m'avait soufflé à l'oreille à ce moment-là que c'est uniquement grâce à l'éruption de ce démon à New York que je l'ai retrouvé 6 ans plus tard à Marseille, une fille que j'avais rencontrée 17 ans plus tôt à Carcans-Maubuisson, je ne l'aurais pas cru et on n'aurait pas pu m'en vouloir. Me? Pas de panique. Ce n'est pas un mot courant, mais ça ne signifie pas forcément que c'est agressif ou injurieux. D'autant qu'il l'a prononcé d'une voix calme, quoique caverneuse, et qu'il n'a pas l'air animé de mauvaises intentions à mon égard. Il me dévisage toujours, mais semble juste contrarié, un peu perdu. On dirait qu'il pense à autre chose, ce qui est rare quand on vient de s'introduire en slip et par la fenêtre dans une chambre située au 8e étage. En général, on est bien concentré et ne laisse rien présager de bon quant à son équilibre mental et à la qualité de nos rapports à venir. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que j'aurais préféré qu'il entre comme une tornade, l'écume aux lèvres, des yeux dégorgeurs braqués sur moi et qu'il hurle Gonna kill you, motherfucker! Tout aurait été plus simple. J'aurais pu réagir, je me serais jeté sur lui, puis je l'aurais roué de coups et jeté par la fenêtre. Mais là, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que de rester interloqué. What do you want? Je demande de la voix la plus menaçante possible. Facile, je ne suis pas d'humeur menaçante. Je me sentirais même, s'il fallait vraiment chercher à décrire mon état d'esprit, d'humeur un peu menacée. Who are you? Me. You speak English? Me. Vous parlez français? Me. Habla espagnol? Me. Parla italiano? Me. Quoi d'autre? Vite. Me Dutch? Me. Portugaise? Me. Il commence à m'énerver maintenant. Ce type ne parle rien ou quoi? De toute façon, c'est un peu idiot. Car s'il me dit qu'il parle allemand ou portugais ou même italien, je serais bien avancé. Je ne pourrais répondre que ah. Et ça en sera fini de la conversation. Mais enfin, je préfère tout de même savoir d'où il vient, même si ça ne sert à rien. Ça m'aidera à cerner le bonhomme, à m'assurer qu'il n'a pas surgi d'un monde parallèle ou des temps anciens. Je ne sais pas pourquoi, je le verrai bien polonais. Il a une tête de polonais, ses cheveux noirs, ce teint pâle, ce regard mélancolique, ce slip rouge. Polande? Pologne? Polski? Me. Si je me fonde sur mes premières observations, si j'entame, malgré l'urgence de la situation, une tentative de décryptage de cette langue inconnue, je peux déjà avancer que me signifie non. Peut-être, pas sûr. Car en fin de compte, c'est sans doute un raisonnement trop simpliste, et surtout, si je réfléchis, ça ne m'arrange pas, car il en découlerait que cet homme, presque nu, que je ne connais pas, s'est introduit dans ma chambre en pleine nuit, après avoir escaladé l'immeuble, m'a regardé et a dit d'une voix froide, non, ça ne m'arrange pas. Russia, India, New-Zélande, j'essaie de gagner du temps, mais du temps pourquoi? China, me. Bien entendu, j'ai remarqué depuis le début, je ne suis pas stupide, que sa manière de s'exprimer rappelle étrangement le langage des vaches. Mais les conclusions que je peux en tirer ne me conviennent pas. Alors, avant de poursuivre, ce que je trouve fort, c'est que on attend tous quoi, ce qui va se passer à Marseille. Et à peine arrivé à Marseille, boum, il nous télécharge à New York dans une chambre avec un mec en slip rouge qui fait meuh. Donc il est vraiment dans le teasing, Génada, hein, et dans le. Oui, là, il botte en touche. Il change de ville, quoi. Merde, on a envie d'arriver à Marseille. Qu'est-ce qui va se passer avec la jeune fille blonde? Et moi, ça marche sur moi. Je trouve que c'est. De toute façon, c'est la structure de base de l'érotisme, en fait. Et un récit, il peut avoir une structure érotique, comme ça. C'est
C'est génial, quoi. Surtout quand ça parle d'amour, de... Je sais pas, je trouve qu'il y a une structure érotique du récit qui redouble, d'une façon un peu métonymique, tous les espoirs que le personnage porte, nourrit, quant à la revoyure avec la jeune fille blonde. En tout cas, j'aime, moi. J'aime qu'il me... En plus, il nous frustre pas, il nous distrait. On a juste envie d'arriver, en fait, puis en même temps, on accepte le détour, il est amusant. Puis ça dédramatise aussi, parce que c'est devenu un peu noir, donc là, il y a cette histoire. Et puis, il veut montrer, en fait, toutes les correspondances, les ricochets qui font qu'en fait, il s'est retrouvé à Marseille. C'est pour ça qu'il revient aussi un peu dans le passé. C'est vraiment un livre sur la causalité, les chaînes de causalité, le destin. Je sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose qui me travaille, cette histoire. Alors, donc, bien entendu, j'ai remarqué depuis le début, je ne suis pas stupide, que sa manière de s'exprimer rappelle étrangement le langage des vaches, mais les conclusions que je peux en tirer ne me conviennent pas. En effet, si je m'engage dans cette direction, de deux choses l'une, soit cet homme est une vache, impossible, soit il a été abandonné bébé par ses parents dans un pré et a été élevé par les vaches. Peu probable, le fermier l'aurait vu. C'est donc une impasse, son nœud vient d'ailleurs. Mais d'où? Ce type ne parle aucune des principales langues en usage sur la planète, n'arrive d'aucun des principaux pays connus, et il atteint ma chambre au 8e étage d'un hôtel de New York. Vraiment, il me cherchait. Au moment où je m'apprête à glisser discrètement une main vers le téléphone, pas facile, les événements prennent une tournure dramatique. Il fronce ses sourcils, dit me, et se met en marche vers moi, lentement, d'un pas mécanique, comme s'il s'était trouvé une heure plus tôt dans un cabaret qu'un artiste aux yeux de braise l'avait hypnotisé et lui avait dit « Je vais compter jusqu'à trois. » À trois, tu te déshabilleras, puis tu traverseras la ville, tu grimperas jusqu'au 8e étage d'un immeuble par la façade, tu forceras la fenêtre et tu tueras le type qui est assis sur le lit. Ensuite, tu ne te souviendras de rien. Le temps de la discussion est terminé, celui des hésitations aussi. Je bondis hors du lit, me rends compte avec horreur que je suis entièrement nu face à un homme en slip, recule d'un pas, tend la main derrière moi et tire rageusement le drap sans lâcher des yeux l'envahisseur qui avance. Mais ces femmes de chambre des grands hôtels n'ont pas leur pareil pour faire un lit solide. Ça résiste. Tant pis. Je fais face nue. Je me suis rarement senti aussi ridicule. Mais je vais battre ce record dans quelques secondes. Je lève les mains vers lui pour lui faire signe d'arrêter, sinon je ne sais pas de quoi je suis capable. Mais il ne s'arrête pas. Il regarde mon lit, tente de me contourner. Je fais un pas de côté pour lui barrer la route. Et puisqu'il ne paraît ni méchant ni vraiment fou, pas dangereux du moins, ni même ivre, mais qu'est-ce qui est là? Je me permets de poser une main à plat sur son torse et, utilisant le seul mot que j'ai pu traduire de sa langue, même si cette traduction ne me satisfait pas tout à fait, il n'est plus l'heure de chipoter, je dis non. Me. Me. Voilà, c'est ici que j'ai atteint le sommet du réticule et je suis tranquille pour le restant de mes jours. Comme pour les 5 fois en 3 heures avec une fille, mais dans une catégorie moins reluisante. Je sais que quoi qu'il arrive, je ne ferai jamais pire dans ce domaine. Je garderai toujours cette photo à l'esprit, encadrée. Je suis nu devant un type en slip rouge, j'ai l'air sévère, le bras tendu, la main posée sur sa cage thoracique. Je lui dis me, et il me répond me. Il n'apprécie pas ma résistance, ne comprenant manifestement pas pourquoi je veux lui interdire mon lit, et s'énerve. Me. Il tente de m'écarter de son chemin, me pousse des deux mains, dodeline rageusement de la tête. Constatant qu'il n'est pas très fort, je décide moi aussi de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Je le saisis à bras-le-corps et le repousse vers la porte-fenêtre en grognant. Ce qui me passe par la tête pour me donner de la force et du courage. Ça suffit maintenant. Ça commence à bien faire des bêtises de ce genre auxquelles il ne comprend rien et qui le laisse apparemment dans le désarroi le plus total. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Me. Je parviens à le mettre dehors et referme précipitamment la baie vitrée. Je n'arrive pas à la bloquer. J'aurais dû m'en douter. C'est toujours une saleté à fermer, ces baies vitrées. Mais je n'ai pas non plus l'intention de l'enfermer dehors et de me rendormir. Le temps que le malheureux réalise ce qui lui arrive, j'aurai prévenu la réception. Je fonce sur les téléphones et compose les 2 chiffres du standard. Mais avant même la première sonnerie, la vache ouvre la porte-fenêtre et revient dans ma chambre. Me. Cette fois, elle semble avoir compris que je ne suis pas un ami. Elle me jette un œil mauvais. Dans son pays, refuser son lit à l'étranger qui passe doit être quelque chose qui ne se fait pas du tout. Je sens qu'il me méprise et qu'il est désormais prêt à quelques compromis avec sa nature calme pour m'apprendre la politesse. Je décide donc de ne pas intervenir. Après tout, il ne peut rien faire de bien terrible, j'espère. Pendant qu'il s'allonge sur le lit, sur le dos, et pousse un meu de confort et de soulagement en regardant le plafond, et en glissant de temps en temps un regard en coin vers moi pour s'assurer que je ne vais pas me remettre à faire le mariole, le téléphone sonne dans le vide à la réception.
Qu'est-ce que c'est que cet hôtel? J'attends encore une dizaine de sonneries. La situation est extrêmement tendue avant de raccrocher. Bien. Je suis dans le pétrin. Que faire? Rester assis sur le bord du lit et allumer la télé? Essayant une dernière fois de faire valoir mes droits et d'affirmer mon autorité, je l'attrape par le bras et je tire. Mais il réagit violemment, furieux, outré, et je n'insiste pas. La seule solution serait d'engager un combat contre lui, de lui donner des coups de poing dans la tête. Mais bien que ce soit la seule, ça ne me paraît pas être la bonne. Il est certain que ça ne mènera à rien de valable. En désespoir de cause, j'enfile mon pantalon, j'ouvre la porte de la chambre, sors la tête dans le couloir et crie « Please !» Je vais réveiller tout le monde. Le mieux serait de descendre à la réception, mais je préfère ne pas laisser la vache dans ma chambre avec toutes mes affaires. En dernier recours, j'emporterai tout. Please, help! Help est grotesque. Je ne suis pas en danger, mais je ne sais pas quoi crier d'autre. Au moment où je me dis que je n'ai qu'une chance sur 100 qu'un agent de sécurité soit en train de patrouiller dans le couloir, la porte qui se trouve en face de la mienne s'ouvre. Un homme à chevelure grise apparaît, vêtu d'un beau pyjama de soie grenat, un livre à la main. Qu'est-ce que vous, you are in trouble? Vous êtes français? Oui, qu'est-ce qui se passe? Un type en slip est entré dans ma chambre par la fenêtre et s'est couché sur mon lit. Quoi? Montrez-moi ça. Sous-entendu, c'est ma spécialité. Ça me redonne confiance. J'ai crié à la bonne porte. Je le précède dans ma chambre, étend un bras consterné vers la vache, toujours couché sur le dos, les yeux en l'air remplis d'aise. Mon allié en pyjama n'exprime pas la moindre surprise en le voyant. Il hoche simplement la tête, comme pour dire « Ok, c'est bien ce que je pensais, d'accord ». Je ne me suis pas trompé. Les types en slip qui s'infiltrent dans les chambres, ça le connaît. Depuis des années, j'imagine, ils consacrent la majeure partie de ses loisirs à les traquer et à les remettre à leur place. What are you doing here? Pas de réponse. Hey, I'm talking to you. What are you doing here? Dit-il en haussant la voix et s'approchant du lit. Me. Il ne sait dire que ça. Depuis qu'il est entré, il n'a rien dit d'autre que me. Allons bon, c'est un spécial. Je ne vous le vais pas dire. Il est ivre? Non, je ne pense pas, il ne sent pas l'alcool. Vous avez appelé la réception? Oui, ça ne répond pas. M'étonne pas, cet hôtel est un gourbi, on va le descendre moi-même. Avant même d'avoir terminé sa phrase, il attrape la vache par le poignet et tente de le forcer à s'asseoir. Mais elle résiste et parvient à se dégager d'un mouvement sec. Come on, get out of here, grogne-t-il en reprenant le bras de la vache. Faites attention, il ne doit pas être méchant, mais il devient nerveux quand on le touche. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un type en slip qui va me faire peur. Sous-entendu, j'en maîtrise tous les jours. Il essaie encore de le tirer hors du lit. Mais cette fois, le type en slip se débat plus farouchement et envoie même un coup de pied dans sa direction. C'est là qu'intervient le savoir-faire de l'homme d'expérience. Sans que rien l'ait laissé prévoir, il lui assène un puissant coup de livre sur l'épaule. Pan ! Je sursaute, le type en slip se recroqueville. Me ! Complètement fou ce truc. C'est complètement délirant en fait. Là aussi, il y a un effet de surprise. On croit que Paul, dont il va faire la connaissance, c'est le type en slip. En fait, je pense que c'est le mec en face, là, quand il appelle à l'aide. Enfin, j'imagine, on va voir. Putain, on a l'impression d'être... Très bizarre. Voilà. C'est difficile de lire dans ce bipénom. C'est sans doute une astuce connue des seuls spécialistes, car la vache le regarde soudain d'un œil craintif et semble disposé à obéir. Même si j'y avais pensé, je n'aurais pas osé. Je ne sais pas être brutal quand on ne m'attaque pas directement. Le maître en pyjama s'approche en brandissant son livre. C'est un livre d'Yves Berger, immobile dans le courant du fleuve, je ne l'oublierai pas. Prêt à frapper en cas de résistance inattendue. N'oublions pas que c'est un spécial. Mais la vache est matée, l'affaire est réglée. Sans attendre, il lui attrape de nouveau le poignet et parvient à la mettre debout sans trop de difficulté. Puis il se place derrière elle, pose une main ferme sur chacun de ses avant-bras, sûrement la prise dite de sécurité, et la pousse vers la sortie. « Me, me !»« Attendez-moi, je reviens tout de suite. Je vais trouver quelqu'un. » Il a laissé son livre sur mon lit. Je les accompagne jusqu'à la porte, puis les suis des yeux dans le long couloir. L'intrus déboussolé n'arrête pas de pousser des petits me plaintifs d'incompréhension, et malgré tout, ça fait de la peine. J'ai appris le lendemain que c'était un Hongrois qui était arrivé le jour même et dont la chambre était voisine de la mienne. Selon le réceptionniste, il semblait avoir quelques problèmes psychologiques. Il paraissait très triste en tout cas. Mais je ne saurais jamais, malheureusement, pourquoi il était passé de son balcon au mien, ni pourquoi il tenait tant à s'allonger sur mon lit. Je ne saurais jamais rien d'autre à son propos. C'était un Hongrois triste, point. Car il avait été prié de partir dès le lever du jour et rejeté dans New York. Quant à mon allié nocturne, il est remonté au bout de 10 minutes après avoir confié son butin au veilleur qui dormait comme une masse et qui a été réveillé par un coup de massue.
et m'a invité à venir boire une vodka dans sa chambre. Il m'a dit qu'il s'appelait Paul Mourad. Il était évidemment bien loin de se douter qu'il trinquait avec le jeune homme qui était assis derrière lui dans sa voiture rouge une fin d'après-midi à Carcans-Montbuisson 17 ans plus tôt. Et moi aussi, bien sûr. Combien avais-je de chance que la personne qui ouvre sa porte cette nuit-là, ici, soit le père de Céline, celui grâce à qui j'allais finalement la retrouver. Ce n'est pas compliqué, une chance sur 6 milliards. Et même si on enlève les petits-enfants, qui n'ouvrent pas souvent les portes la nuit dans les hôtels, et un bon nombre d'habitants de la Terre qui ne pourront jamais s'offrir un jour à New York, cela fait tout de même, allez, une chance sur 2 milliards. Soit, si mes calculs sont bons, autant que de toucher les 6 numéros gagnants du loto 3 fois de suite. Le mercredi, les 6 bons numéros. Le samedi, encore les 6 bons numéros. Yes, le mercredi suivant, bingo, encore. Ce qui est impossible. Voilà. Bon, mais en fait, on ne va pas savoir ce qui s'est passé à Marseille. Avec ce chapitre, il va falloir attendre le suivant, putain. Il est fatigant quand même. Mais voilà, ça nourrit sa réflexion sur... On est comme des balles de squash, en fait. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Ça a l'air désordonné, mais en fait, techniquement, on pourrait prévoir où va atterrir la balle de squash avec un logiciel, en fait. Les dimensions de la salle de squash et... Et voilà. Les coïncidences, vous savez, quand vous voulez appeler quelqu'un que vous n'avez pas eu au téléphone depuis 3 ans... Vous apprêtez à le faire, ça sonne et c'est cette personne. Tout le monde a vécu ça. Il se passe des choses, mes amis. Il se passe des choses. Et qui échappent, en fait, à tout le monde. Hein, qu'on écrase là sous des explications psychologiques, des... On qualifie ça, on traite les gens qui s'intéressent à ces phénomènes de gentils débiles, qui flirtent avec l'idée de paranormal, etc. Mais non. Je pense qu'il se passe des choses souterraines, des choses. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce sont quelques indices, en fait. Peut-être qu'un jour, on va le découvrir, vous voyez. Les mecs, avant... comprenez pas plein de choses qu'on comprend maintenant et qui nous paraissent complètement débiles, quoi. Hein? Si on avait dit à un grec, un jour, on pourra prendre le cœur de quelqu'un et le greffer dans la cage thoracique de quelqu'un d'autre, ou on marchera sur la lune, ben, il nous aurait pris pour un fou. Alors moi, je veux bien être pris pour un fou, mais je pense qu'un jour, on saura ce qui se passe avec cette histoire de coïncidence, ces histoires de coïncidence. Il y a quelque chose là, et qui n'est pas étudié, en fait, réellement, en fait. Ben, il faudrait faire une grande base de données, un appel à témoins, et voir... Essayez au moins, en fait, de comprendre ce qui se passe. Ben, je lui dis, c'est juste une coïncidence. Ça s'explique par un déterminisme social organique. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas toutes les coïncidences. Il y a peut-être des coïncidences qui s'expliquent par un déterminisme social organique, et puis il y a peut-être plein de coïncidences qui ne s'expliquent pas comme ça. Voilà. En tout cas... Moi, j'ai souvent vécu ça. Il m'arrivait, par exemple, quand j'ai rencontré, j'étais jeune, hein, j'avais quoi, 25, 26, celle qui plus tard allait être mon épouse et me faire 2 enfants, eh bien, on a parlé, salut, nanani, nanana, et on s'est rendu compte d'un truc complètement fou. C'était que quelques années auparavant, 3-4 ans auparavant, moi, j'étais allé voir la soutenance, enfin, un oral d'entrée à Ulm d'un ami, Cyril Cesner. Cyril, je te dis bonjour. Et Cyril avait foiré son coup de manière... Il était tellement stressé. Bon, il a eu un normal sup, mais c'est quelqu'un de brillant. Mais il a... À un moment, un des membres du jury lui récite un poème et lui demande de qui est ce poème. C'était un poème de Baudelaire. Et Cyril a une absence totale et répond Francis Ponge. Alors pour ceux qui connaissent Baudelaire et Francis Ponge, c'est-à-dire c'est aussi différent que le saucisson à la noisette et la charlotte aux fraises, je veux dire. Et donc tout le monde rit, en fait, parce que l'erreur est tellement monumentale qu'on comprend qu'en fait, il est complètement déstabilisé. Donc même le jury rit, en fait, tout le monde rit. Bon, voilà, et puis il a quand même une très bonne note et puis il a intégré Normal Sup. Et donc, et moi, j'étais avec Pierre-Yves Divigère, Eric Avocat,
Il y avait qui encore dans la salle? Enfin, la bande de l'époque, juste derrière Cyril, au premier rang. Bon, on s'est foutu de sa gueule pendant des années. D'ailleurs, là, je continue, hein. Cyril, enfin, régulièrement, quand on lui pose une question, on lui dit, s'il te plaît, ne réponds pas, Francis Ponge. Et donc, ça lui restera pour toujours, en fait. Et voilà. Et puis après, on est parti, on est allé fêter le fait qu'il était admis et tout ça. Et en fait, ma future épouse, celle avec qui j'allais avoir deux enfants, était dans la salle, mais quatre rangées plus loin, en arrière, en fait. Elle m'a dit, mais j'étais là lors de cette soutenance. J'étais à l'arrière, en fait. Elle m'a dit avec qui elle était. Sauf que nous, après, on a récupéré Cyril, on est parti, c'était le carré VIP, vous voyez. Nous, on connaissait celui qui passait, on a lâché le public, en fait. Et elle était dans la salle, quoi. Et donc, bah, je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou. Je savais pas que 4 ans plus tard, j'allais sortir avec cette fille, puis que. Voilà. J'avais aucune idée. Elle était là. Je ne l'ai même pas vue, en fait. Elle était trois rangées derrière. Moi, ça me paraît fou, ça, cette histoire. C'est ce genre de. Du coup, on peut être assis n'importe où, à 4 mètres de quelqu'un qui comptera énormément dans notre vie dans 5 ou 10 ans ou 2 semaines. Et qu'on ne connaît pas, en fait. C'est un peu flippant, c'est beau et c'est flippant en fait. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, alors j'ai commencé avec de la musique. Je suis en train de me dire, j'avais pas prévu que ce serait bien de finir avec de la musique, en fait aussi. Parce que j'ai fait un générique d'entrée et j'ai pas fait de. Il faut que je fasse un générique de fin. Alors, générique d'entrée, c'était Star Wars. Le problème, c'est que si je mets de la musique qui a du droit d'auteur, je vais être. La vidéo va être bloquée en fait par les algorithmes de reconnaissance de droit, que ce soit sur Facebook, YouTube, etc. Donc en fait, il faut que je mette une cover, quoi, quelque chose qui n'a pas été. Ah, je sais, j'ai trouvé une très belle cover, d'ailleurs que j'ai postée, d'une chanson espagnole que j'adore, qui est presque un hymne, un vademécum. Et donc ça, normalement, ça ne va pas être censuré par. Ça va pas être censuré. Alors, je vais la mettre. Voilà. Allez, on va finir là-dessus. C'est A quien le importa. Écoutez-moi ça. Bon, normalement, la chanson est beaucoup plus méchante, vindicative. Hein. Allez voir les paroles. J'adore les Espagnols. Quand ils sont calmes, en fait. J'adore les Espagnols quand ils sont calmes. Et ils s'énervent facilement. Et pour un Français, un Espagnol énervé, ça fait peur, en fait. Pas beau ça. À qui importe pardon. Pardon, voisin. Sincèrement, c'est une tuerie cette chanson. Mais bon. Ici, tout le monde est déconfiné. Hein. Je suis sorti aujourd'hui. C'est fini le déconfinement. Le 11 mars, le 11 mai, c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui parlent. Il y a mon voisin qui fait des œufs, qui fait des œufs. Il bouffe des œufs toute là, en face, là, en bas. Putain, encore des œufs? C'est un régime albumine. C'est pas sympa comme ça, petite soirée? Enfin bref, j'ai vraiment envie de chanter et de faire de la musique. Ouais, je le disais hier, mais j'ai envie de faire de la musique. Da-d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 a
J'ai vraiment envie de faire de la musique, putain. Je le réalise là. A quel importa. La porta. Bon, donc c'était le chapitre 11. De vie et mort de la jeune fille blonde. Bon, la couve est pas terrible. Je sais pas qui a fait cette horreur là. Graffiti sur un mur de béton, voilà. Voilà, c'est voilà. Putain, le street art. Hâte qu'on s'en débarrasse. Quoi. Putain, le mec est snob. Non, je suis pas snob. C'est affreux la plupart du temps, quoi. J'en ai rien à foutre que ça soit sur un mur dans la rue ou sur un tableau. Ça change rien en fait que c'est affreux. Voilà, il y a des trucs pas mal, mais c'est rare, c'est juste pas mal. Voilà. Bon, j'ai pas envie de finir sur une note négative, c'est sur le fait que le street art, ça me fait rien. Hein? Et puis, de toute façon, les street artistes, ils font ce qu'ils veulent, je suis content pour eux qu'ils s'éclatent. Hein? Ils peuvent aussi, ils peuvent chanter. A quien l'importa, po, 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 po. Bon, je pense que j'ai assez fait le clown ce soir. Il faut en garder pour demain. Et j'espère qu'on arrivera à Marseille. J'espère qu'on verra ce qui se passe avec la jeune fille blonde, quoi. Hein? Parce que je l'ai lu, le livre, mais je me souviens plus exactement dans quel ordre, quoi. Enfin, j'espère que vous aussi, vous êtes pris par ce suspense. Voilà. Si ça vous plaît, la musique, je vais mettre de la musique encore. Non? Histoire d'agrémenter. Je sais pas. Bon, allez, on va tous retourner à notre confinement. Quoique, ce que j'ai le plus envie de faire, en fait, pour tout vous dire, je ne devrais pas l'enregistrer, c'est descendre en bas et acheter de l'herbe. Puisque, en fait, ils sont quand même en bas, en fait, et très sympas. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fumé, et ça ne me réussit pas trop, en fait. Enfin, ça me réussit trop, ce qui fait que ça ne me réussit pas trop au bout d'un moment. Donc... Bon allez, pour ce soir, j'en reste encore au chocolat, mais peut-être que demain, je lirai le chapitre 12 avec un scud. Ça serait rigolo, non? Allez, bonne nuit.